la guerre contre les drogues a enfanté de nouveaux monstres. Des proies invisibles, indomptables, presque impossibles à repérer. Ce jour-là, en pleine mer, une prise rare. Dans le ventre immergé de la bête, les gardes-côtes découvrent plus de 7 tonnes de cocaïne, un butin de 230 millions de dollars. Après la chute des grands barons, les organisations criminelles entament une nouvelle fois leur mue. They never disappear. Elles ne disparaissent jamais. Elles se recomposent simplement en réseaux, pas en structures. Elles deviennent des nœuds à l'intérieur d'un plus grand réseau. Et vous aurez beau éliminer le commandement central, cela ne perturbera pas le fonctionnement du réseau dans son ensemble. Une nouvelle ère commence au début des années 90 pour les organisations criminelles, dans un système où tout s'emballe. Transport, communication, flux financiers, la mondialisation s'accélère. Le libre-échange triomphant veut effacer les frontières. I believe we have made a decision now that will permit us to create an economic order in the world that will promote more growth, more equality, better preservation of the environment and a greater possibility of world peace. En 1994, les États-Unis inaugurent la plus vaste zone de libre-échange au monde avec le Canada et le Mexique. Plus de barrières commerciales et moins de contrôles aux frontières. Les cadences s'accélèrent dans les usines mexicaines et les files de camions s'allongent à la porte des États-Unis. Noyer les cargaisons de drogue dans le flot des véhicules devient le jeu favori des cartels mexicains, planté sur ses 3000 km de frontière. Héroïne, marijuana et cocaïne passent presque sans encombre. Aux commandes du pays, le PRI, parti unique, reçoit sa part des bénéfices. Tant que les trafiquants envoient la drogue chez les gringos et qu'ils ne défient pas l'État, ça va. Tant qu'ils n'agissent pas contre les intérêts du PRI au pouvoir, l'État interfère peu dans le trafic. En Colombie, tout en haut de la chaîne du trafic de cocaïne, la classe politique a fini par lâcher les narcotrafiquants. Sous la pression de la DEA, les criminels qui ont succédé à Pablo Escobar sont traqués. Leurs sociétés écrans sont démantelées, les arrestations se multiplient. Pour éponger les sommes perdues, les survivants comptent sur leurs transporteurs mexicains. Ils leur demandent d'augmenter la cadence. Ils ne volaient pas seuls, mais par convoi. 7 à 14 avions décollaient en même temps, chargeaient chacun de 1000 kilos de cocaïne et atterrissaient dans le nord du Mexique, dans le Chihuahua. Ils stockaient la drogue sur place avant de lui faire passer la frontière vers les États-Unis. La logistique des cartels mexicains est infaillible. En position de force, face aux Colombiens, ils imposent une nouvelle division du travail. Les Mexicains arrachent la part la plus risquée et la plus lucrative du trafic, la distribution de la cocaïne aux États-Unis. Les Mexicains vont entrer dans une phase plus compliquée que nous aussi nous avons connue. Le niveau de corruption du système va être de plus en plus profond et la violence va empirer. Pourquoi? Parce que l'argent de la distribution entre en jeu. Et cela représente énormément d'argent. Or, l'argent dans ce business est synonyme de violence et de mort. Le Mexique va s'enfoncer dans une spirale de violence sans fin. Les trafiquants colombiens, eux, vont se replier sur la production, couvrant des pans entiers du territoire de champs de coca. À partir de la fin des années 90, la production de drogue se concentre dans des zones de non-droit où il est impossible de la déloger. La Colombie est le premier producteur de coca au monde
et un autre pays s'inscrit durablement dans l'histoire du trafic de drogue, l'Afghanistan, premier producteur de pavots. Aujourd'hui, 80% de l'héroïne mondiale est produite en Afghanistan. Totalement illégale, la drogue représente près d'un tiers des revenus du pays. Depuis les rues poussiéreuses de Kaboul, sa capitale, jusqu'au sommet de l'État, l'Afghanistan tout entier est devenu accro à l'héroïne. Une addiction née dans les années 80, en pleine guerre froide. L'armée soviétique occupe les grandes villes du pays et dans les campagnes, les Russes tentent d'étouffer la résistance afghane. Donc au milieu des années 80, ils ont adopté ce que l'on appelle la politique de la terre brûlée. Ils ont décidé de détruire les campagnes pour que les gens ne puissent plus y vivre. Et pour cela, ils ont brûlé les vergers, détruit les systèmes d'irrigation, empoisonné les puits. Mais tout le monde n'a pas fui. Au lieu de cela, les gens ont commencé à cultiver du pavot. Pendant 10 ans, le pavot finance la résistance des chefs tribaux à l'occupation soviétique. Ce qui n'était qu'une culture marginale devient la source de revenus principale des paysans et des chefs de guerre. Quand les Russes quittent l'Afghanistan, les chefs tribaux s'affrontent pour prendre le pouvoir. Leur guerre provoque la mort de dizaines de milliers d'Afghans. Sur ces terres ravagées, un mouvement canalise la colère de la population épuisée par les années de conflit. Les talibans, nés dans les écoles coraniques, gagnent du terrain. Ils avaient des objectifs politiques, ils n'aimaient pas les drogues. Quand ils ont commencé, ils étaient très remontés contre tous ces seigneurs de la guerre corrompus en Afghanistan. Donc ils voulaient faire régner la loi et l'ordre. Pas le genre de loi et d'ordre qui nous plaît, mais c'était leur vision. Pour eux, il fallait arrêter l'opium qui est un vice, ce n'est pas propre. Partout où ils avancent, les talibans imposent leur ordre rigoriste. Ferment les cinémas, interdisent la musique, cachent les femmes. Les règles sacrées triomphent sur tout. Mais l'opium fait vivre des dizaines de milliers de familles. En l'interdisant, les talibans risquent de perdre leur soutien dans les campagnes. Pour bâtir un capital politique, les talibans commencent à dire que le Coran interdit l'opium et qu'il est toujours interdit de le consommer. Mais ils disent aussi que tant que le pavot est produit pour les kafirs, pour les infidèles, tant qu'il part vers la Russie ou les États-Unis, cela ne leur pose aucun problème. Grâce à l'opium, les talibans financent leur avancée sur Kaboul. La capitale afghane tombe en 1996. L'Afghanistan est immédiatement mis au ban des nations et coupé de l'économie mondiale. L'Afghanistan était une terre ravagée et il n'y avait pas d'aide étrangère. Donc l'opium est devenu la solution à tous les problèmes sociaux et économiques. C'est une culture annuelle. Vous mettez la graine dans la terre et quelques mois après, vous avez un bien à vendre. C'est illégal, cela franchit magiquement les frontières, sans entrave. Pour réaliser leur rêve d'un État intégriste, les talibans implantent des laboratoires sur leur territoire et font de l'Afghanistan le premier producteur mondial d'héroïne. Grâce à l'argent de la drogue, ils pensent pouvoir s'affranchir de toutes les règles internationales. En 1998, ils offrent l'asile aux membres d'Al-Qaïda. Mais l'héroïne n'a pas le pouvoir d'assurer la survie d'un pays entier. La misère ronge l'Afghanistan. Le régime des talibans a cruellement besoin d'aide extérieure. Dans l'espoir fou de retourner l'opinion internationale en leur faveur, en 2000, les talibans interdisent la production du pavot sur tout le territoire. Les paysans risquent la mort s'ils sèment la graine interdite. En un an seulement,
La quasi-totalité des champs de pavots ont disparu d'Afghanistan. Et la communauté internationale a dit merci. Le sous-secrétaire d'État américain Colin Powell a offert une aide de 41 millions de dollars. Mais il y avait d'autres problèmes. Les droits de l'homme, la situation des femmes. Et donc, les Nations Unies n'allaient pas les reconnaître. Rétrospectivement, les talibans ont commis un suicide économique. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis envahissent l'Afghanistan. Ce n'est pas étonnant que quand les premières bombes américaines ont commencé à tomber, cette société et cet État failli se soient effondrés, parce qu'ils étaient morts à l'intérieur. Ils n'étaient déjà pas très forts au départ, mais le peu de force qu'il leur restait s'était envolé. Les talibans sont repoussés en quelques semaines dans des zones isolées, vouées à disparaître. Mais ils vont reconquérir patiemment territoire par territoire, en encourageant la culture du pavot, source de financement miraculeuse pour la renaissance de leur mouvement. En Colombie, au milieu des années 90, les champs de coca recouvrent des pans entiers du territoire, loin des villes, désormais sous haute surveillance. Les trafiquants vont se loger dans les zones de jungle et de montagne où l'État n'a pas de prise. La Colombie est un pays malgré elle. Elle a une géographie extrêmement complexe. C'est un pays qui a encore beaucoup de problèmes de communication et qui a dû fournir d'immenses efforts pour contrôler son territoire. Nous sommes à peine en train d'arriver à occuper notre territoire. Et il y a encore beaucoup d'endroits où il n'y a pas de policiers. Dans ces zones reculées, Far West contemporain, la terre appartient à celui qui a les moyens de la confisquer. De grands propriétaires terriens purgent les sols de la Colombie de ses richesses. Pierres précieuses, minerais, pétrole, bois aux essences rares. Pour étendre leurs exploitations, ces grandes familles créent des milices qui déplacent sauvagement les populations. Les Colombiens les appellent les paramilitaires. En plein boom de la coca dans les campagnes, les narcotrafiquants se dotent eux aussi de milices paramilitaires. Ce que faisaient les paramilitaires, c'est protéger la terre pour le compte des narcotrafiquants qui les avaient chargés de dégager les paysans de leur terre. Et donc, les paramilitaires ont commencé à avoir beaucoup d'argent. Ils ont pu prendre l'initiative et entrer dans le trafic pour leur propre compte. Les chefs des unités paramilitaires prennent progressivement le contrôle de la production de coca, des laboratoires et gèrent les connexions avec les cartels mexicains et les grands réseaux criminels internationaux. Au cœur de la jungle, la ruée sur la coca va changer le destin d'un autre groupe armé. La guérilla marxiste des FARC lutte pour une juste répartition des terres. Active sur quelques fronts, sans grands moyens, elle rackette les grands propriétaires, les enlève contre rançon. Mais au milieu des années 90, la guérilla des FARC s'adapte au changement d'époque. Il n'y a pas plus conservateur qu'un communiste. Les communistes sont très conservateurs. Et au départ, ils étaient contre le narcotrafic qui allait corrompre la révolution. Mais il y avait beaucoup de pression de la part des paysans, parce qu'ils avaient besoin d'argent. Et donc, ils disent « OK » à la culture de coca. Et en bons révolutionnaires, ils vont bâtir une base sociale, fournir toutes sortes de services publics grâce à l'argent de la drogue qu'ils récupèrent en taxant les cultures.
Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Les FARC continuent les prises d'otages, ciblant l'État dans sa chair. Gouverneurs, députés, anciens ministres sont séquestrés. Les guérillas campaient à la porte de Bogota. Elles étaient à Medellín et près de Cali. Et à la fin des années 90, beaucoup de gens redoutaient que la Colombie devienne un narco-État si les guérillas prenaient le pouvoir. Face à la montée en puissance des FARC, les paramilitaires veulent garder le contrôle sur les zones de production de coca. En 1997, toutes les factions paramilitaires se rassemblent sous un commandement unique, une armée d'extrême droite de 20 000 hommes. Les autodéfenses unies de Colombie tiennent tête à la guérilla. L'armée légitime du pays, elle, subit les embuscades des FARC. Ses soldats sont enlevés par centaines. Dans cette situation désespérée, des membres de l'armée se sont dit « Nous devons être de mèche avec les paramilitaires. C'est le seul moyen d'empêcher les guérillas de prendre le pouvoir. » Et donc, que se passe-t-il? Ces mafias vont commettre une quantité de massacres à travers toute la Colombie en disant qu'elles se battent contre les guérillas. Alors qu'en réalité, ce qu'elles font, ce n'est pas seulement chasser la guérilla de certaines zones, mais s'accaparer les terres et les utiliser comme des couloirs pour exporter la coca. Les paramilitaires liquident leurs opposants. Ce nettoyage systématique provoque le déplacement de 2 millions de personnes. Dans les zones qu'ils s'accaparent, là où l'État n'a jamais pu s'imposer, les paramilitaires dictent leurs lois. Si vous cherchez des crimes contre l'humanité en Colombie, c'est ici que vous les trouverez, chez les paramilitaires. Ce sont eux qui ont été les principaux violateurs des droits de l'homme et qui ont commis le plus de massacres et d'actes de barbarie. Et donc la classe politique en Colombie, comme nous l'avons vu, n'a rien d'honnête et elle est aussi particulièrement corrompue. Et à un certain moment, elle voit dans les paramilitaires une grande opportunité. Une grande opportunité d'obtenir des votes. C'est très pratique de recevoir des votes et le soutien armé des paramilitaires. Mais ça devient un peu moins commode quand vous devenez gouverneur et qu'ils vous demandent d'occuper le secrétariat au logement ou à la santé, où se trouvent les plus gros contrats publics, ou si vous êtes sénateur et qu'un paramilitaire vous appelle pour vous dire que vous devez démissionner pour un an parce qu'un de ses proches va occuper votre siège. Au début des années 2000, les paramilitaires se trouvent là où Pablo Escobar se tenait 20 ans plus tôt. Inicia su intervención el señor Salvatore Mancuso. Devant le Congrès, l'un de leurs leaders, Salvatore Mancuso, vient défendre le rôle de ces hommes. Surnommé Triple Zéro, Salvatore Mancuso avouera quelques années plus tard le meurtre de 300 personnes. Réaffirme aquí, en la cuna de las leyes y en el templo de la democracia, que el compromiso patriótico de la SAUC por salvaguardar una Colombia libre, digna, segura y en paz, sigue en pie. Face à lui, Salvatore Mancuso a un public conquis. Les paramilitaires contrôlent un tiers du Parlement. La Colombie a échoué à repousser les trafiquants. Les paramilitaires en ont fait un narco-État. Contrairement aux trafiquants colombiens, au Mexique, les cartels n'ont jamais tenté de prendre le contrôle de l'État. Les trafiquants acceptent le jeu de corruption orchestré par le parti unique, le PRI, au pouvoir depuis 70 ans. En 2000, les Mexicains se libèrent du règne autoritaire du PRI en élisant à la présidence Vicente Fox. Promesse de jours nouveaux pour le Mexique,
l'alternance rebat toutes les cartes pour les trafiquants. Cela a brisé ce que j'appellerais la Pax Mafiosa, c'est-à-dire l'accord entre l'État mexicain et les principales organisations impliquées dans le trafic de drogue, qui les rendait intouchables et leur garantissait qu'elles ne seraient pas attaquées. Cela a brisé cette certitude qui existait depuis des années sous le PRI. Le PRI jouait les arbitres entre les cartels. Lorsque ce verrou saute, il ne reste que la violence pour départager les concurrents. Des guerres croisées vont bientôt éclater entre tous les cartels. À ce moment-là, la classe politique locale et régionale ne va plus avoir les moyens de contenir le pouvoir des narcotrafiquants. Et donc, au Mexique, on peut dire que la guerre des narcos est le prix de la démocratisation. Dans cette guerre des cartels, le bastion historique du trafic, le Sinaloa, est sur tous les fronts. Porté par l'appétit insatiable de son chef, El Chapo, tout juste évadé d'une prison de haute sécurité. El Chapo Guzman est l'un des plus grands trafiquants de l'histoire. Son surnom avant El Chapo était El Rapido. Le rapide, parce qu'il était capable de faire passer de la drogue aux États-Unis à un rythme fou. Il est devenu une figure emblématique, presque mythologique de la narcoculture mexicaine. El Chapo faisait aussi régner la violence et extorquait ses rivaux de manière très assidue et très systématique. Habile et impitoyable, El Chapo va devoir frapper plus fort encore s'il veut rester dans le jeu. À l'autre bout du pays, le cartel du Golfe recrute des soldats d'élite de l'armée mexicaine et crée un bras armé, les Cetas. Discipline militaire, opérations planifiées, techniques de renseignement sont détournées dans un but ultime, terroriser les concurrents, s'accaparer leur territoire. Les Cetas déclenchent la surenchère chez tous les autres cartels. Tijuana, Ciudad Juárez, Sinaloa se dotent à leur tour d'unités d'élite. Les scènes d'horreur se multiplient. Mon Dieu, dans le Michoacán, les organisations criminelles coupaient les têtes des cartels rivaux et les faisaient littéralement rouler sur les pistes de danse. C'était totalement hors de contrôle. En 2006, le nouveau président Felipe Calderón, à peine élu, déclare la guerre aux cartels et envoie l'armée au front. 45 000 soldats tentent de reprendre les territoires perdus, concentrant leurs forces sur les Cetas, le plus sanguinaire des cartels. Sous les coups de l'armée, les Cetas implosent en une multitude de groupes. Ils resserrent leurs griffes sur de plus petits territoires. Et la violence monte encore d'un cran. Les Cetas filment dans le détail les meurtres et les scènes de torture, marquant d'un Z leur présence sur les murs, comme sur les corps de leurs victimes. Ce qui se passe avec les Cetas, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour supporter un affrontement permanent avec l'État. Et ils vont faire de la violence une marchandise. Les Cetas ne vendent pas la logistique pour écouler de la cocaïne. Les Cetas vendent la capacité para ejercer la violencia. Les Cetas vendent la capacité d'exercer la violence de manière professionnelle pour imposer un état de terreur localisé. Ils n'en sont pas restés au trafic de drogue. Il fallait leur payer ce qu'on appelle le piso pour tout. Si vous étiez impliqué dans un réseau de traite humaine qui passait par leur territoire, si vous pratiquiez des enlèvements sur leur territoire, de l'extorsion, ils se mêlaient de tout. Vous deviez payer les Cetas. L'armée, incapable de combattre sur tous les fronts, a laissé le cartel de Sinaloa prospérer. Au terme de guerres sanglantes, El Chapo étend sa zone d'influence à Tijuana et Ciudad Juárez. Y el uso de el ejército
Le recours à l'armée pour essayer de réduire la violence a été contre-productif. Non seulement la violence s'est maintenue sous les formes atroces que l'on connaissait, mais elle a augmenté peu à peu en termes quantitatifs pour atteindre des niveaux dramatiques. Au début des années 2000, les États-Unis et la Colombie font eux aussi le choix de l'option militaire. Ils élaborent le plus grand plan de lutte contre le narcotrafic, le plan Colombie, 4 milliards de dollars en 5 ans. Des centaines de conseillers américains refondent l'armée colombienne. Forte de ces nouveaux moyens, la Colombie se détourne de l'objectif initial. Les principaux trafiquants, les paramilitaires, alliés du pouvoir, ne sont pas visés. Le plan contre les drogues devient un plan de guerre. Bogota jette toutes ses forces contre son principal ennemi, la guérilla des FARC, active dans près de la moitié du pays. La situation bascule en faveur de l'État pour la première fois. Et l'armée colombienne commence à reprendre du terrain pour la première fois depuis de nombreuses années. Disons-le sans détour, c'est le plan d'aide militaire américain le plus efficace des 20 ou 25 dernières années. Le plan Colombie a permis au pays de ramener de la sécurité et a fait chuter les enlèvements de 3000 à 200. En ce sens, je pense que le plan a été très important. Mais il y a eu un grand prix à payer pour une guerre faite dans ces conditions. C'était une guerre irrégulière. Il y a eu des bombardements dont on n'a jamais entendu parler ici à Bogota. La sale guerre, menée loin des caméras, porte un coup sévère aux FARC. Ses leaders historiques sont éliminés. À terme, un processus de négociation va pouvoir s'engager avec la guérilla. Pour la Colombie, l'offensive militaire n'est qu'une première étape. L'étape suivante est amorcée sous la pression de Washington. Malgré le plan Colombie, des tonnes de cocaïne affluent toujours vers les États-Unis. Le pouvoir colombien est sommé d'agir contre les paramilitaires. En 2006, la droite dure au pouvoir leur offre une quasi-amnistie, laissant plus de 100 000 assassinats impunis. Les paramilitaires rendent les armes sur un air de kermesse. L'accord a été fait de façon à ce que les bourreaux n'aient pas à dédommager leurs victimes pour leurs terres, leurs propriétés. Qu'ils n'aient pas à dire la vérité. Et c'est quelque chose qui m'a profondément fait souffrir. Pour tous les massacres qu'ils ont commis, y compris pour ce qui me concerne, le meurtre de ma sœur, les paramilitaires ont bénéficié pendant toutes ces années d'une impunité infinie. Le plus grand saut viendra de la Cour suprême. Des magistrats décident d'ouvrir le dossier des relations incestueuses entre les paramilitaires et les responsables politiques. Un grand nettoyage est enclenché. La Cour enquête, débusque et condamne de nombreux hommes politiques. Ce qui a changé la vie des Colombiens, c'est l'effort incroyable qu'a fait la Colombie pour renforcer ses forces de l'ordre, sa sécurité et l'état de droit. Voilà ce qui a transformé et changé la Colombie. Ce travail de justice et de mémoire se poursuit aujourd'hui encore, dans une Colombie qui semble reprendre son souffle.
La violence recule dans les grandes villes et la Colombie devient une destination touristique. Mais loin des regards, dans les zones difficiles d'accès, les mêmes gestes se répètent à l'infini. Ici, on récolte la coca et on l'emmène au laboratoire tous les 3 mois. Tous les 3 mois, on récolte et on l'emmène au laboratoire où on transforme, on fabrique la pâte base et les acheteurs viennent chez nous. Comme des milliers de cultivateurs de coca, ce paysan a subi les campagnes d'éradication menées par les autorités avec l'aide de la DEA. Pendant 30 ans, agent orange, glyphosate de Monsanto, des milliers de litres d'herbicides ont été déversés sur les plants de coca, ravageant des régions entières. En 1994, j'étais dans le Caquetá. C'était un très bon endroit pour travailler dans la culture de la coca. En récoltant, on pouvait gagner un peu d'argent. Mais quand ils ont commencé les fumigations, tout s'est effondré. Les gens tombaient malades et finissaient presque aveugles. Et le bétail, les arbres, tout, ça détruisait la terre. Quand ils fumigeaient, on ne pouvait plus rien planter, parce que la terre n'était plus bonne à rien. Et quand ils ont fumigé et que ça s'est terminé, je suis venu par ici, dans le Nariño, et j'ai arraché tous les plants de café pour planter de la coca. Sur ces 3 hectares, ce cultivateur produit environ 70 kilos de pâte base de cocaïne, qui lui rapporte 10 fois plus que s'il cultivait du café. La pâte transformée, elle va de l'autre côté. Il l'envoie au Mexique, aux États-Unis, dans d'autres pays. Parce que c'est là qu'elle vaut de l'argent. C'est là qu'elle vaut de l'argent. Parce qu'un kilo ici, ça ne vaut presque rien. Tandis que là-bas, si. Pour fabriquer un kilo de cocaïne, il faut 350 kilos de feuilles de coca, 400 dollars. La transformation, le passage des frontières, la vente en semi-gros puits au détail, coupé, fait passer le kilo de cocaïne dans les rues de New York à plus de 120 000 dollars, 300 fois plus que le prix de base. Quand une partie de la récolte est éradiquée en Colombie, le prix de la feuille de coca peut tripler. Le gramme dans la rue passe alors de 122 à 122,77 $. Pas de quoi décourager le consommateur new-yorkais ou freiner les trafics. En Colombie, la coca finance toujours des dizaines de groupes armés. Ils sont les héritiers lointains des grands cartels, les descendants directs de factions paramilitaires ou des FARC ayant refusé l'accord de paix historique signé en 2016. Après 30 ou 40 années de guerre contre les drogues en Colombie, nous produisons plus de cocaïne que jamais. Malgré tout, nous pensons avoir réussi parce que les organisations criminelles gouvernent moins. Nous avons avancé, c'est sûr, mais nous sommes toujours dans une situation compliquée et difficile, avec la peur que ces quantités de culture de coca puissent réactiver encore une fois des choses que nous ne savons pas comment contrôler. Et oui, j'ai peur que cette mèche se rallume. Tant que les plantes à drogue poussent, des mouvements criminels ou insurgés peuvent s'en emparer. En Afghanistan, les États-Unis ont sous-estimé ce danger latent. Après avoir chassé les talibans du pouvoir en 2001, Washington pense que le problème est réglé. Quelques années plus tard, l'armée américaine fait face à une puissante insurrection. Grâce à l'argent de la drogue, les talibans ont enrôlé des milliers de combattants. En 2004, sous la pression de Washington, le président Hamid Karzai proclame le djihad contre le pavot. Mais le président afghan va jouer contre son camp. Son autorité ne tient que par la fragile coalition de chefs de guerre et d'anciens moudjahidines, qui eux aussi dirigent leur fief grâce à l'argent de la drogue.
Bien sûr, il y a beaucoup de gens au sein du gouvernement afghan qui sont impliqués dans le trafic, comme dans les forces d'opposition. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le savait. Mais c'était délicat d'en parler parce que ce sont nos alliés politiques. C'était ça la logique. En 2005, dans la région du Helmand, plus de 9 tonnes d'opium sont découvertes dans la cave du gouverneur. Le président Hamid Karzai doit l'écarter. La milice du gouverneur, privée de ses revenus, change alors de camp. Ces 3000 hommes rejoignent les talibans et font basculer l'équilibre des forces. La région du Helmand tombe entre les mains des talibans, qui en font la première zone de production d'héroïne du pays. Pour amputer les talibans de leur principale source de revenus, les États-Unis musclent leur réponse militaire. Des bombardiers B-52 et des avions furtifs Raptor F-22 bombardent les laboratoires d'héroïne des talibans. Donc un avion furtif F-22 qui coûte environ 400 millions de dollars et un laboratoire d'héroïne, ce qui peut avoir l'air chic, mais en réalité, ce n'est qu'une cabane en terre, avec des bidons rouillés et un chauffage électrique bon marché, probablement 50 dollars de matériel. Les États-Unis utilisent l'équipement militaire le plus sophistiqué, tous leurs moyens de repérage et de renseignement, des drones pour suivre les mouvements, des images satellites, les B-52 qui sont les plus performants sur la planète, pour attaquer ces cabanes aux toits en tôle et leurs barils rouillés. Je pense que cela montre les limites de la coercition. Il n'y a pas un seul cas où l'éradication a poussé un groupe armé à la faillite ou l'a suffisamment affaibli pour qu'il soit battu. Les gens ont faim. Ils n'ont littéralement rien à manger et ils vont protester et se mobiliser. Et ce qui se passe, c'est que les groupes criminels et insurgés, comme en Afghanistan ou en Colombie, reçoivent beaucoup de soutien politique. Les gens changent d'allégeance. Et dans l'histoire des liens entre groupes insurgés et drogue, l'État gagne quand il arrête d'éradiquer. Après 50 années de guerre, Kaboul, la capitale afghane, abrite la plus forte concentration de toxicomanes au monde. Dans les campagnes, près d'une famille sur deux est touchée par l'addiction à l'héroïne. Le pays continue de sombrer. Au Mexique, un siècle après le début des premiers trafics, la culture populaire célèbre les narcos et leur ascension sociale fulgurante. Les petits paysans qui plantaient le pavot au siècle dernier dans les montagnes du Sinaloa ont enfanté des trafiquants capables d'exploiter toutes les failles du système. Symbole absolu de cette revanche des plus faibles, El Chapo Guzman, patron du cartel de Sinaloa, a su échapper aux autorités pendant 15 ans et amasser une fortune d'$1 milliard dont la police cherche encore la trace. Les organisations qui font du trafic de drogue peuvent s'offrir les meilleurs avocats, les meilleurs courtiers, les meilleurs comptables. Et les forces de sécurité sont complètement dépassées sur ce plan-là. Des centaines de millions de dollars appartenant au cartel de Sinaloa ont été retrouvés blanchis dans les comptes de grands groupes bancaires. Les banques ont tout obtenu un règlement avec la justice. Aucune condamnation n'a été prononcée. Mais plutôt que de se dire que ce système financier-là est profondément instable et s'alimente d'argent sale, on continue à ne pas le pénaliser pour dire bah, faute de mieux, on avance comme ça. Et effectivement, on va fermer un peu les yeux. Donc ça vaut toujours la peine pour elle de continuer à faire ces trafics-là.
Ça reste rentable et ça se voit d'ailleurs au niveau des grandes banques qui ont des services contentieux qui provisionnent toujours plus d'argent d'une année sur l'autre. C'est-à-dire, dans la perspective d'un procès, on a évalué, on a fixé un prix à la fraude, au détournement des règles ou à l'irresponsabilité bancaire. En 2015, El Chapo est repéré alors qu'il entre en contact avec une comédienne dont il s'est entiché. La trajectoire de l'un des plus grands trafiquants de drogue se referme sur une erreur de débutant. Extradé, condamné à perpétuité aux États-Unis, El Chapo laisse derrière lui une nébuleuse du trafic de drogue et le mythe d'un cartel à l'organisation pyramidale tenue par un seul homme. Le monde criminel actuel n'est plus entre les mains de ceux dont on entend les noms dans les médias. Et peut-être que ce qu'il reste du cartel de Sinaloa pour le Mexique, c'est avant tout la nostalgie. La nostalgie d'une organisation criminelle qui utilisait la violence de manière prévisible. Aujourd'hui, au Mexique, la violence s'insinue partout et tout le temps. Les grands cartels d'hier se sont scindés sous les coups de l'armée, toujours déployés dans le pays. Une myriade de petits groupes insaisissables apparaissent, déclinent, disparaissent et se recomposent en permanence. Sur la côte pacifique, Acapulco, joyau du Mexique, est devenue l'une des villes les plus dangereuses au monde. On dénombre une trentaine d'organisations actives dans la région. Les petits groupes sont un problème majeur au Mexique. Et le fait qu'il s'agisse de très petits groupes et qu'ils soient très nombreux et qu'ils opèrent dans un contexte où les forces de l'ordre sont faibles et incompétentes crée énormément de violence. C'est moi qui récupère les corps. Dans les hôpitaux, chez les médecins légistes, à domicile. Je suis la personne qui s'occupe d'apporter du soutien aux gens, de les soutenir dans leur douleur. Il m'est arrivé d'aller chercher dans des fosses dans lesquelles il y avait 8 ou 9 corps. Quand ce sont des personnes démembrées, on doit injecter morceau par morceau, coudre les corps pour qu'ils restent, pour que les familles puissent voir leurs proches. Et donc, on donne une explication à la famille. Souvent, dans de nombreux cas, les corps ne peuvent pas être veillés à cause de leur état de décomposition. On les prépare et on ferme le cercueil parce qu'on ne veut pas voir un corps dans cet état. Au Mexique, la mort a tous les droits. Les corps s'empilent les uns sur les autres. Et il n'y a aucune force capable de réparer le mal qui est fait chaque jour. Chaque jour, nous nous levons en apprenant l'existence d'une nouvelle fosse clandestine. Nous nous levons en apprenant qu'un nouveau groupe criminel a surgi. Ces 10 dernières années, plus de 40 000 personnes ont disparu au Mexique, arrachées à la vie par les organisations criminelles qui frappent aveuglément, rackettent et enlèvent contre rançon des personnes souvent sans histoire.
Je cherche mon frère Thomas, mon grand frère, enlevé le 5 juillet 2012 à Huitzuco, dans le Guerrero. Mario Vergara fouille la terre sans relâche pour trouver le corps de son frère. Avec d'autres familles meurtries, il a déterré plus de 400 corps au cours des 5 dernières années, ici, à 1 heure d'Acapulco. Dans cet endroit qui s'appelle le lac d'Iguala, dans le Guerrero, nous avons trouvé 21 corps, tous portant des signes de torture, les mains et les pieds attachés, les yeux bandés. Ils recrutent vos enfants pour en faire des tueurs. Si vous êtes paysan, ils vous obligent à abandonner la culture du maïs pour planter du pavot. Ils peuvent faire disparaître votre époux, que vous passerez votre vie à chercher parce qu'ils l'ont recruté pour un travail criminel. Ou vous le retrouverez mort dans l'une des fosses clandestines. O buscándolo por lo menos muerto en alguna de las fosas clandestinas. Los cerros son muy hermosos. Les montagnes sont très belles. Muy bonitos, sí. Les paysages sont magnifiques. Eso, sí, es verdad. C'est vrai. Pero dentro de eso oculta. Mais elle renferme l'horreur que les hommes ont commise. Oculta el horror que el hombre ha hecho. Voilà le crâne. Este es el cráneo de una persona. Ça, c'est le crâne d'une personne. Tiene el tiro de gracia. On voit l'impact de la balle ici. A lo que he aprendido. Lo trajeron. D'après ce qu'on m'a dit, lo pararon ahí. Cet homme a été amené ici. Le dan el tiro. Ils lui ont tiré dessus et il est tombé la face la première. Nous sommes en train de déterrer la vérité de ce pays. Nous disons au gouvernement, oui, il y a des disparus au Mexique. Oui, il y a des fosses clandestines au Mexique. Et vous ne faites pas votre travail. Nous le faisons à votre place. La seule bonne chose dans tout cela, c'est que les Mexicains s'organisent chaque jour un peu plus. Il y a beaucoup d'organisations de femmes qui, face à un État qui n'a pas les moyens de leur offrir justice et de retrouver leurs êtres aimés, à chaque nouvelle fosse commune, il faut attendre la venue des autorités qui conservent à ce jour plus de 27 000 corps non identifiés. Un nouveau chapitre de l'histoire du trafic de drogue s'ouvre quelque part en Chine. Un retour des choses. Des organisations criminelles ont arraché à l'industrie pharmaceutique un autre de ses secrets. En manipulant des produits chimiques, elles sont parvenues à synthétiser le fentanyl, cousin lointain de l'opium. Produit depuis les années 50 pour les besoins de la médecine, le fentanyl se fabrique sans la moindre fleur de pavot. Une drogue 100% synthétique. De ces ports où sont arrivés les premiers ballots d'opium au XIXe siècle, partent aujourd'hui des chargements invisibles d'une drogue d'une puissance infinie. Le fentanyl est au moins 100 fois plus puissant que l'héroïne. Donc, il faut peut-être un certain nombre de camions de cocaïne pour approvisionner le marché américain pendant un an. Tandis qu'il suffit de charger une voiture pour approvisionner tout le marché américain des opioïdes en fentanyl. Vous pouvez complètement oublier l'agriculture.
Vous n'avez plus besoin de paysans qui font pousser du pavot en Afghanistan, au Mexique, en Colombie. Vous n'avez plus besoin d'armées et de chefs de guerre pour transporter de l'opium. Si vous n'avez besoin que de produits chimiques que vous pouvez fabriquer en Chine, puis envoyer au Mexique, cela simplifie grandement les choses. Et cela veut dire que vous pouvez baser vos opérations n'importe où. Donc, les drogues de synthèse modernes ont vraiment le potentiel de changer radicalement le marché des drogues. Et les politiques, les relations internationales, toute la géopolitique qui les entoure. Le fentanyl afflue vers un pays en prise avec la plus grande épidémie d'addiction de son histoire. Aux États-Unis, la surprescription d'antidouleurs, encouragée par les lobbies pharmaceutiques, a rendu des centaines de milliers de patients accros aux opiacés. Quand leur traitement s'arrête et que l'illusion de bien-être se brise, ils se tournent vers les marchés illicites. Des hommes et des femmes de classe moyenne rejoignent chaque jour la cohorte des usagers d'héroïne et se laissent happer par le fentanyl, moins cher et beaucoup plus puissant. Le fentanyl tue 30 000 personnes par an aux États-Unis. Cette fiole est un piège mortel pour ceux qui cherchent à fuir la douleur de vivre. Cela n'a pourtant rien de fatal. Tant que la guerre visera le trafic de stupéfiants et pas les causes de leur usage, nous vivrons dans un univers mafieux en perpétuelle mutation. Le monde des drogues a été créé par nos choix de société et notre système économique. La seule solution est d'en changer.